Salut les gars, c'est Lucas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur je remonte d'origine. Alors, pour vous faire court, j'ai juste remonté suspension comme tu peux le filmer Mathias. Donc suspension, je l'ai remis en noir. J'ai la blanche qui est dans le garage. Et comme tu peux venir le voir Mathias, une fourche Stunt Origin Peoli. Donc j'ai les joints spi à faire, c'est pas si grave que ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à dénicher des jolies jantes. Jolies jantes neuves, 12 pouces. Attention avec le stickers et tout d'origine. Stickers Origin. Donc du coup voilà, j'ai juste à la laver un peu. Donc stickers Origin. Les pneus, je vais les changer. Donc, je vais partir sur des pneus, on va dire, pneus Michelin City Grip 2. Au moins, c'est encore mieux pour lever. Et apparemment, c'est les meilleurs pour tenue de route. Donc, en même temps, je vais vous parler d'un petit concours, les gars. Ça sera disponible sur mon Instagram. Je vais faire une affiche ce soir. Donc, il y a 10 lots à gagner. 10 lots. Un Alpine Star, grand comme ça. Un Alpine Star, soit celle-là, soit... un noir comme ça, comme celui-ci, et 5 mâles aussi, comme vous pouvez le voir. 10 personnes seront tirées au sort sur mon Instagram. Vous avez juste à atteindre les 2500 abonnés sur ma chaîne YouTube et identifier 2 personnes. Quoi d'autre, Mathias? De mettre un petit like. De mettre un petit like sur la petite vidéo, la nouvelle du coup. Et d'ailleurs, pour la prochaine vidéo, les gars, ça sera montage des 2 nouvelles jantes. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, Mathias, la béquille latérale chromée que j'ai, je ne l'ai pas fait voir encore. Il y a le frein aussi. Et aussi le système de frein avec la purge. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai oublié de le préciser, la suspension rend le stunt beaucoup plus haut. Comme vous pouvez le voir, j'ai refixé aussi la jolie bavette et le stunt est beaucoup plus haut. Donc, un meilleur maintien de route. Sort. J'ai pas testé. Je vais pas non, tenue de route. Tenue de route. Ouais, comme tu peux filmer juste là, Mathias. Il neige. Tu vois, il neige. Bref. On se retrouve juste à la fin pour un petit débriefing. Bon, les gars, là, on va placer au démontage du coup de la fourche du Nitro. Sur la fourche de la 85YZ inversée, les gars. C'est parti. Je vais démonter du coup la fourche de Nitro. Donc du coup, voilà. Il va falloir que je démonte guidon, qu'on enlève le colson là, qu'on du coup détache tout le système de frein pour pouvoir mettre du coup le nouveau. Donc nouveau frein Brembo, je crois. Ouais, voilà. Avec fourche Stun Peoli. Donc les fourches... Paioli, on dit. Paioli. Merci, Mathis. Les fourches seront refaites en noir, du coup. Au moins, parce que là, très clairement... vu l'état, entre guillemets, ils sont pas très très belles, mais joint spi propre. Tête fourche, il est déjà en noir, j'aurais pas besoin de le repeindre. Et là, la suspension, on va la changer. On va la changer vu qu'elle est en blanche. Donc du coup, on vous retrouve après. Prends. Donc là, actuellement, on n'a plus de liquide de frein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va démonter tout le système de frein pour ensuite, du coup, le vidanger dans un des bacs. Donc du coup voilà, Mathias il démonte tout le système de frein avant, donc le bocal de truc là, c'est ça? Le mettre à cylindre, l'étrier, la durite. Voilà, merci. Et puis voilà, on vous retrouve dès qu'on enlève le liquide. C'est stylé. Mathias, il fait la vidange, c'est ça? Donc du coup, là, la... Et t'as les axes de roue? Ouais, j'ai eu l'axe de roue avec. La jante est partie. Donc du coup, ça c'est l'axe du Nitro. Donc l'axe du Nitro, on va la mettre là. Et... il faut une clé de une douille de 13. Douille de 13. Mathias enlève l'étrier de frein avant. T'es sûr c'est du 13? Parce que moi, je croyais que c'était du 12, non? Pourquoi t'en avais l'étrier, Mathias? Bah parce que du coup... on va changer. Bah oui, on change tout. Ah, mais on change ta fourche. Et l'étrier. Arthur nous sort des astuces tous les jours. Oh bâtard, oh, bâtard. Il y a trop de câbles. Piquer, bah, je sais pas s'il passe en fait. Bah et si... bah si t'as ses potes, tu vas pas trouver. Il stonne le bâtard. Non mais si tu mets pas que les deux de l'autre côté, t'as pas... je crois que ça tombe pas. Ah si 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 si, sinon c'est le filetage hein, cousin. Arrête ça, non, tu fais quoi? C'est pas moi. Si, c'est moi, le bouge.
Ouais, mais moi ça tournait pas, c'est ce que je disais. Ah, ok. Là, on a enlevé le guidon avec la potence. Donc là, on va commencer déjà à enlever ça avec des goupilles, comme a dit Arthur. Donc, on va tout enlever, connard. On va enlever tout avec chasse goupille pour ensuite faire tomber la fourche. Là, j'ai dévissé juste ici, la suspension est là. Donc, je vais la changer, je vais la mettre en noir. Parce que du coup, il y aura les jantes qui vont passer aussi en noir. Donc, je démonte et je vous mets la noire. Du coup, voilà à quoi il ressemble déjà. Je l'ai remis un peu d'origine, comment il était déjà un peu avant. Bon, vite fait au niveau des suspensions, du coup, ouais. Donc, suspension noire. Comme dirait GG, c'est noirte. J'ai réussi à refixer mon support de pavette. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais je recommanderai une nouvelle. Voilà. Il est beaucoup plus haut. Donc, je pense que mon ancienne suspension était morte. Parce que là, elle est légèrement plus haut. Avec la nouvelle fourche aussi. Donc, je suis parti sur du coup une fourche de stunt Peoli. J'ai pas encore mis le garde-boue, je l'ai. Le garde-boue, il est dans mon garage. Le système de frein, je l'ai pas encore mis parce que du coup, j'ai pas aussi le maître cylindre. J'ai pas pu le mettre parce que j'ai plus de liquide de frein. Et je vais racheter de nouvelles plaquettes. Donc du coup, j'aurai ce fil apparent quand je vais rouler. Donc, là, le ressenti, c'est que c'est largement mieux au niveau de la maniabilité du stunt et tout. Donc là, dans la prochaine vidéo, ça va être, je vais vous le dire, changement des deux jantes. Donc les deux jantes vont passer en noir, je les ai déjà, je vais vous faire quelques plans après. Il y aura béquille. Donc béquille latérale qui va venir ici. Parce que du coup je ne peux plus mettre la béquille centrale. Parce que les supports moteurs, je crois qu'ils ont pris un coup. Donc après il y a quoi d'autre? Je vais remettre peut-être poignée d'origine. Là j'ai eu un joli rétro BCD de la part de mon ami. Donc BCD design qui va venir comme ça. Donc du coup je vais le mettre plus tard parce que du coup faut que je refasse le filetage ou que je rachète du coup un commodo complet. Il y a quoi d'autre? Beaucoup de choses vont arriver. Je vais commander les supports, non, les cabochons de clignotant. Je vais les commander en noir fumé sur Maxi Scout avec le feu arrière. Comme là je l'ai cassé, donc du coup j'ai encore le cache orange, sauf que du coup ils vont plus servir à grand chose. Donc du coup, je vais remettre aussi le garde-boue. Et puis voilà, il va aussi avoir une boîte à air. Parce que boîte à air, c'est mieux qu'un cornet quand il pleut. Parce que c'est pas qu'on habite un peu dans le nord, mais là, pour une fois, il fait beau, mais il neige. Enfin, il y a neigé. Là, je vais aussi la racheter en noir. Parce que je les ai en... Du coup, je disais, levier Doppler. Donc je vais repartir en origine. Là, j'ai mis celui-là. C'est mieux en maniabilité pour le lever. Donc j'ai pas encore essayé les wheeling avec, à voir par la suite. Les 4 pads, je vais les refaire. Le pot, je l'ai refait, sauf que la vidéo, elle a pas trop été bonne, dans de bonnes conditions aussi. Je vais racheter aussi du coup un marchepied côté droit, qui a cassé la trappe, qui est juste ici, trappe cache allumage. Je l'ai, elle est neuve. Donc je vais la changer aussi. Ce bouchon là, j'aimerais bien le passer aussi en most. Un most noir, certes ça sert à rien, mais bon, ça fait un peu de déco. Donc ce là, je recherche une pièce, un guidon noir full noir à échanger contre lui, un guidon maquette d'origine. Là on se retrouve du coup pour la outro. Donc comme tu peux le refilmer, il est toujours là, hein, on est toujours le même jour, il a neigé toujours là-bas, on a un cousin carrément, il... Bref, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo, je pense dans une semaine, pour changer les deux pneus. On les changera, on fera la vidéo sur du coup la purge et la béquille latérale. On se retrouve bientôt. Tchuss les gars. Et oubliez pas d'ailleurs le petit concours. Moi je vous dis ça, je vous dis rien. Salut.